Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du mercredi après-midi. Et aujourd'hui, on va attaquer Chamber of Darkness, donc que vous avez choisi par les votes. Chamber of Darkness, déjà, c'est un jeu qui m'a été offert par les développeurs, donc j'ai reçu une clé. C'est pour ça que je le propose à la découverte, hein, vu que le principe quand même, c'est quand on accepte des clés de jeu des développeurs sur le site où je suis inscrit, c'est quand même d'en faire une vidéo, c'est le minimum. Sinon c'est un peu abusé de leur gentillesse, quel que soit le jeu bien sûr. Donc celui-ci je l'ai accepté parce qu'il y avait le côté un peu à première vue Castlevania qui m'intéressait. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc Chamber of Darkness, justement, c'est un petit jeu d'aventure action de type Metroidvania, on va appeler ça comme ça. Je sais pas s'il y a des éléments roguelike dessus, mais bon, ça on verra bien. Le jeu est sorti le 4 mai 2018, donc il n'est pas si vieux que ça. Il est édité par Grab the Games, qui édite des petits jeux un peu dans ce genre-là, indépendants, voilà, qu'on n'a pas forcément entendu beaucoup parler. Et le jeu est développé par The Crow Studios. Alors j'ai pas trouvé d'infos dessus, j'en suis désolé. Sur leur Facebook, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de site web, donc c'est compliqué du coup de trouver des infos. Le jeu est actuellement au prix de 2,99€ sur Steam, il est en accès anticipé. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Alors j'espère que je vais pas trop galérer parce que c'est jouable seulement au clavier, il n'y a pas de possibilité manette, on ne peut pas rebind les touches non plus. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai regardé les touches, on va tester en jeu ce que ça donne parce que je suis pas du tout convaincu par le placement des touches, mais bon, on verra bien. Donc on va faire start game. On va commencer en easy hein, parce que voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Un fire, tactique frost, donc feu et froid, destruction, tactique. Bon, on va prendre feu. Ah, et on peut prendre les deux? On peut prendre les deux. Ok. Donc, un petit blabla de explicatif. Que je n'ai pas tant dire d'ailleurs. Donc, on va passer. Donc, voilà notre personnage. On joue à une espèce de chevalier en armure avec une lance. Très bien. Et... alors, c'est ce que je pensais. Oh, les déplacements, ça va être... ça va être sport, hein. Donc si je passe en QWERTY, est-ce que c'est pas plus simple? Alors déjà ça, et le W devrait être ici. Ok, alors pour frapper par contre j'en ai aucune idée. I, O, alors. D'accord. On a des cooldowns. Hein? J'ai repris ma propre... D'accord. Alors les sauts, ok. D'accord. Ça passe tout juste. Alors, J for light. Ah ouais, mais il va falloir que j'utilise ces touches-là aussi. Alors, attendez, je vais déplacer mon chrono. Mon chrono, je vais le mettre là. Comme ça, je l'ai en visu. Du coup, j'ai pas vu les attaques. Ok. Ok, d'accord. Donc, il peut y avoir des petits bugs, apparemment. J. Donc on peut casser les crânes. Ah, c'est pas mal les enchaînements. Et on récupère une espèce de... ok, de blood. D'accord. Ok. On peut rentrer là. This will be the second journey, ok. Donc en fait je joue avec mes deux mains sur le clavier, j'ai pas du tout l'habitude de jouer comme ça. Et I.O. I.O. Ah ouais, pour utiliser les coups spéciaux. Là c'est un mur. Oh là là, oh que j'aime Poso. Hop. Ok, il y a des pièges. Très bien. Ah, j'avais pas vu ça. My bad.
Alors c'est pas évident parce que c'est pas espace. Pour vous donner une idée, c'est Q et D, Q gauche, D droit. Et c'est le double, le Z pour moi du coup, vu que je suis passé en QWERTY, pour sauter. Donc j'ai pas du tout l'habitude de jouer comme ça. C'est pas évident. Ah, il m'a tapé, hein. Méchant. Mais laisse-moi tranquille, sale bête. Est-ce que je peux faire ça, par exemple? Non, on peut pas. Ok. Du coup, on avance. Ouf. Ah, quand même. Eh ben, je suis mort. Cette bonne blague. Non. Ok. En fait, j'ai tendance à faire espace pour sauter. Je prenne le coup. Ça va venir, hein, y a pas de raison. D'accord, par contre, les ennemis nous poussent vraiment. Hein. Alors, combien on a de vie? Il nous reste 3 vies. On a plus de vie, justement. Comment je vais réussir à passer, là, par contre? Ok, bah c'est lui qui est tombé. C'est un idiot, tant mieux pour moi. Alors, level 1, 3, faut aller par là. Ah ! Je ne m'attendais pas à ça. Je fais pas attention. Alors attendez, hop, je casse le crâne. Ah, décidément, les pièges. Waouh. Non, mais les ennemis sont quand même assez pas évidents. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris. On peut casser ça. On dirait qu'il y a un item par terre, mais... alors, est-ce qu'il y a une touche pour... Ah, on peut pas accéder aux options en étant en jeu. Ok, je voulais voir s'il y avait une touche pour ramasser. Genre se baisser, en fait. Est-ce qu'on peut se baisser sur ce jeu? C'est une bonne question, ça. À première vue, je dirais que non. Ah, ben voilà. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire, les loulous. C'est pas grave, on va juste regarder... S plus J, ça fait combo breaker. S plus J. S plus J. Ah, mais la vache, les touches. Jump, light attack, heavy attack. On peut bloquer avec S, d'accord. C'est bon à savoir. Utiliser la vitesse 1, 2, 3. Interaction, c'est E. Non, il n'y a rien d'autre. On peut pas se baisser. Très bien. Est-ce que je peux faire continue? Oui. Nickel. J. Donc, je peux bloquer avec S. S, mais ça a pas l'air de marcher. Alors je sais pas si le S dans les claviers QWERTY c'est le même emplacement de touche. Il me semble que oui, mais ouais, d'accord. Non mais le gars, il est au taquet, le gars. D'accord. On va faire ça, hein. Ça marche bien, là, ta petite attaque sautée. Ah! Me lance des crânes, sale bête. Voilà. L'ai eu. Ok. Voilà, dégage. Alors, par contre, quand il tombe, on récupère pas le sang. Bon, c'est pas grave. Alors, niveau 1-4. Donc, j'imagine qu'il faut aller par là. Voilà. Ah! Ok. Mais pourquoi il saute? Bam, je fais espace! Je suis une andouille. C'est pour ça que j'y arrive pas. Ah oui. Ah non, 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 non! Alors, attendez. On analyse bien.
Ah là? Je sais pas à quoi ça sert de tuer les... Je suis Tyrod. Je sais pas ce que ça est, Tyrod. Mais on a passé le level. 1-5. On est chaud. Alors bloqué. D'accord. Ah. Très bien. Ok, ça, ça passe. Ah, j'ai eu un item. Je sais pas ce que c'est. C'est touche L pour l'utiliser. 50% de vitesse en plus. Hop. Nickel. Là. Attendez. Hop. Oh, je l'ai défoncé. Aïe! Pourquoi tant de haine? Alors il y a bien une épée là, mais je... Ah, eux peut-être. Non, je peux pas. Ok. On passe au 1-6. Ah non, j'ai changé de... De level, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bim. Ok, c'est pas trop mal. Oh. Ah ça c'était... C'était moins bien joué ça. J'aurais pu passer. Largement. Allez hop. Va-t'en, on va voir ailleurs si j'y suis, sale bête. Donc, où est-ce qu'on va? Là c'est fermé. Alors là, il y a des pics. Alors les chiens sont pas trop embêtants, je dirais. Est-ce qu'on va avoir un temps limite pour y aller? Bam. Ah, je vais me prendre les pics. Vas-y, viens ici. Non! C'est de la triche! Ce qui est dommage, c'est que les ennemis se prennent pas les pièges, en fait. Et du coup... on est un peu en galère. Mince, un peu en galère. Hop! Mais ça passe les loulous. Alors... Prends-toi ça. Non mais oh. Ah 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 ah. D'accord. J'aime pas ça. Ok. Hold fire ability. D'accord. C'était je sais plus les touches. C'est I. Ah, on peut... Avant que je... en fait, quand je relâche, j'ai un viseur. Et... attendez, on va récupérer le skill. Voilà. D'accord. On peut utiliser les pièges à notre avantage. Ouf. Je me suis trompé de touche. Ah mais mince. Ok. Je suis chaud comme la braise. I can't reach them, maybe the box will help press. Ok. Alors on va peut-être pouvoir la pousser en fait. Ah. Alors attendez, prenez eux. J'ai pas compris.
C'est pas très pratique. Ah, voilà. Donc, je reprends mes touches. Oula. Oui, je suis un samouraï. Non, un chevalier en armure. Ah ! Mince ! Mince ! Ça passe. Oh, j'aime pas ça. Ah, je me suis fait cramer. Ah, ça passe. Ok. Du soin. En bas à droite ou... Ah c'est bon. Oh pff, le piège. Le piège s'est passé tout juste quand même. Ok. A new artifact to bind with the spear. Un nouvel artefact. Je vais peut-être utiliser mon soin. Voilà. Après tout. Et un nouvel artefact, c'est F. Oh là là. Ça ne fait... Ah non, c'est P, pardon. Oh la classe. Alors il y a des ennemis chelous. Et je vais sortir. Ah. Non mais... C'est pas tranquille. Je suis Tyrod. Non mais je me fais cramer. Ah ah. Fais ton attaque spéciale. Ton attaque spéciale, vas-y. Il l'a pas fait. Ah, il fait quoi? S, protection. Ça marche pas. Ok, oh la vache, je m'en suis pris plein la tronche. Bah toi, ouais, tu parles. C'était un beau combat, moi. Ouais, ouais, bien sûr. J'étais nul. Non, mais les touches clavier, là, comme ça, j'y arrive pas, en fait. Alors, alors j'ai débloqué l'habilité de la terre. Oh. Très bien. Oh, toi, je vais te... Toi, j'ai envie de te... Hop. Ah. Sale bête. Bah là, j'ai pas besoin de la pousser, la caisse, je pense. Oh, c'est bon. Ça passe. Ah. Ah, ah. C'est c'est, je dirais que c'est nul en fait leur là. D'accord, c'est bon, je suis trop près en fait, je pense. Ouais, ok. Ah oui, mais non, c'est pas bon. On recommence. Reviens ici, la caisse. Faut que je t'attrape d'en haut, en fait. Voilà. Non, toujours pas. Donc là, je te remonte. Je suis coincé. Je suis coincé aussi. Ah.
Ok. Eh ben. D'accord, donc j'ai un levier à activer quelque part. Mince. Hop, hop, hop. Nickel. Ah, c'était pas ça. Allez voir par là. Pas de piège. Bah c'est plutôt rigolo. Je m'amuse bien, même si c'est pas évident de faire ça au clavier. Mais moi je trouve ça plutôt fun. Alors par contre ces trucs là, je sais pas comment les éviter. Faudrait que je fasse protection en fait, peut-être. Tout simplement. Je sais pas trop. Ouais mais protection, il veut pas. Ah bon. Eh ben c'est pas grave hein. Level 3-2. Ah on est passé au niveau 3. D'accord. Ah ouais, par contre le bouclier, je le pige pas. Hein. Je pige vraiment pas. Bah là j'imagine qu'il faut se laisser tomber. On n'a pas trop le choix. Ok. Et ici, ah, je suis coincé. Mince. Y a vraiment des bugs au niveau des caisses. Hein. Non. On va faire ça. Aha. Ok, faut que je l'avance plus. Peut-être un peu plus basse. Voilà, comme ça. Voilà, là, ça devrait aller. Non, 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 non. Et il me la faut à nouveau. Nickel. Après. D'accord, donc il y a quatre routes, enfin il y a quatre chemins sur dans ce niveau, il y en a qu'un seul bien sûr qui amène à la sortie. On va essayer de découvrir ça. Et forcément. Voilà là. Ah mais laissez-moi tranquille. Donc ça c'est le cul-de-sac. Premier cul-de-sac. Je vais canner ici moi. Hop. Oh là là. Le problème c'est qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous en fait. Voilà. Et ben, on va aller voir à droite. Et je fais pas gaffe, je fais pas du tout gaffe au piège en fait. Non mais laissez-moi tranquille. Ah ah, j'ai fait la serpillière. Presse, t'as une tour restart. Ok, on revient ici. Donc là, on a bouffé une vie. En fait, je suis pas mort une seule fois encore pour l'instant. Le fait de tomber dans le vide n'est pas considéré comme un...
comme un décès. Donc les deux chemins du haut ne sont pas bons. Ah, le souci c'est que on sait pas où on va. J'en prends plein la tronche. Hop. Est-ce qu'on peut tomber là? Bah non. Ah, le chemin est là. L'ai trouvé. Je peux pas tomber là. Forcément. Mais non, mais... Hop. Ah, mais on peut pas. Ah, d'accord. Bon, le chemin est par là, en fait. Juste par là. Et je l'ai. Bon bah c'est complètement abusé. Comment j'ai passé ce niveau? C'est nimp. Alors du coup bien. On va voir ce qu'il en est. Hop. Ah, ça passe pas. Il me faut la caisse. Non. Très bien. Donc on fait ça. Attendez. Voilà. Non! J'ai lâché eux. Oh la boulette. Ah si ça passe là. Et là ça passe pas. Non, il y a un trop grand différentiel. Faut vraiment pas que je lâche la caisse par contre. Voilà. Là je fais pareil en fait. Je la monte. Et il me la faut encore. Ah, attendez, le piège c'est que c'est vraiment pas pratique au clavier avec cette configuration de touche. Hein. Mais alors, pas du tout. Je reprends mes touches d'attaque. Hop. Je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la sortie. Hein. Oui, pas ça. Attention piège. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être dégâts augmentés. Mais les chiens sont vraiment particuliers à tuer. Hein. C'est pas possible. Ok. Waouh. La vache. Eh ben les loulous, moi j'ai ma dose là, c'est bon. Alors c'est un petit jeu sympa. Mais à faire en petite quantité. Pourquoi? Bah ce qui me gêne c'est le clavier en fait. Le combo clavier. Les touches sont dispatchées un peu partout. J'aime pas du tout. Et le jeu je le trouve vraiment sympa.
J'ai toujours eu un petit coup de cœur pour la série des Castlevania, donc ce genre de petits jeux ne me dérange pas vraiment. Mais j'ai plus l'habitude de les jouer à la manette, pardon. Et là, le jeu ne le propose pas, on peut pas rebind les touches non plus. Parce que moi, personnellement, je me serais mis les déplacements avec ZQSD, comme habituellement. Et je me serais mis les capacités spéciales qui sont sur IO et P au niveau de mon pavé numérique de droite. Et j'aurais mis mes deux attaques sur la souris, quoi, tout simplement. Donc, je sais pas. Le jeu, je le trouve mignon. Alors c'est un jeu indépendant, hein, c'est pas des graphismes de fou, mais il est pas vilain, le principe avec les petits power-up, tout ça, bon c'est un jeu, c'est vu, déjà vu et sur-revu, hein, ce type de jeu, mais j'aime bien le principe, j'aime bien le style, j'aime pas du tout par contre la maniabilité, voilà, le clavier, la disposition des touches qu'on ne peut pas rebind ne me conviennent pas. Voilà, donc du coup j'espère quand même que cette petite découverte vous aura plu, parce que moi je me suis bien amusé, et puis bah je vous dis à la prochaine les loulous. Allez, ciao !